Bah oui, Bien, c'est bien clair, les réseaux. c'est ce que je faisais aussi, quoi. En Quand t'étais le facteur, tu rétro-achievement, mets sur la plutôt tienne. réfléchir en même temps, en fait, ça aurait été plus pratique pour toi. Sinon, tu pouvais faire le Link's Awakening, il est en native. Bon, Je vois que tu l'as marqué aussi, le Link's Awakening. quand il y a des nouveaux jeux qui sortent, Cool. genre là, le dans 2 semaines, il y a Trilogy Crash Bandicoot, c'est sûr et certain que ça va être fait. Fait à Ah l'avance. oui, mais ça, Crash Bandicoot, c'est pareil, j'avais hésité avec un figure. J'en ai mis un. Ah oui. Ah, mais je dis quoi, la T'en as collection mis un, je vais Insane pas dire. Trilogy, non? Attends. Ou un sur PS1? Ah, 2 secondes, Je sais pas si la bande j'étais en train de retirer une galette du feu et d'en remettre une autre. T'as mis sur PS2 La Vengeance de Cortex. Ah oui, d'accord, celui-là, je l'ai jamais fait en plus. Donc c'est vrai que j'ai hésité avec celui-là. Et t'as mis aussi sur PS4, t'as mis le trilogie, là, Voilà, le bah ça je l'ai raj... Ensign ça, je... Trilogy. Voilà, je l'ai rajouté Ah il oui. y a 2 jours, mais je sais dès qu'il sort, je vais pas attendre des tirs au sort, je le fais direct, quoi. Tu mettras personne, tu mettras Bah Sushedi voilà, comme le en cours. premier, comme Escape 2, c'est moi qui ai choisi au hasard. Après, le Last of Us, mais. Oh, je l'ai Le jamais Last of fini, Us, putain. et là, il est trop bien. Ah, Last of Us, Tu moi l'as ça me jamais dure, fini? ça m'a gonflé, quoi. Je l'ai pas fini, mais il était tellement. Ah. J'ai vraiment kiffé. Bah, moi, je trouve. Enfin, l'histoire, enfin, Il est génial. le truc a l'air sympa, mais je trouve que le jeu était chiant en force, quoi. Toujours la même chose, tu t'arrêtes dans L'histoire un est coin, t'attends géniale, d'observer, le voir si les poumons concept. ils bougent. Le. Ah non, mais le concept de à la fois infiltration, à la fois un petit baston, tu vois, Ouais, non mais je tu dis dois pas, mais un ça peu m'a. réfléchir à ce Je que veux tu dire, vas faire et tout la avant. mécanique du jeu m'a saoulé à force, quoi. Ah bah ils sont là mes potes. Ah non, moi j'ai trouvé ça génial. Après, l'histoire en elle-même, elle est énorme. Franchement, elle est super. L'histoire. Pareil. Et je l'ai fini en difficile, moi je l'avais. Ok, mais on fait quoi les pets là? On se casse Bah, à ton avis. Se casser? Ah, Sylve, Bah tu non, l'as il a déjà perdu la mémoire. platiné sur la PS3. Ah Mais putain, merci Carmen. c'est pour lui foutre un peu les boules, quoi. De quoi? Putain, j'avais peur. J'ai dit, toi, t'as jamais réussi à le finir, la top. Moi, je l'ai platiné sur la PS3. Ouais, putain, en plus Last of Us, genre tu finis le jeu, tu gagnes un trophée. C'est tellement. Ouais. Aucune récompense juste pour avoir fini, faut tout choper, faut tout faire. Quel jeu? Last of Us, mec, tu Mais finis le ça, jeu, Last t'as of Us, juste un trophée. pour le platiner, c'est une horreur. Ah oui. C'est une horreur, j'ai galéré à mort. Il y en a 15, j'ai patiné en légende. C'est Nier Automata. Ah Mais bah oui, tu ouais, peux acheter les trophées, ouais. voilà. J'ai acheté les trophées. Non mais franchement, c'est des trophées débiles, quoi. Quoi? Juste, J'ai l'impression de faire un retour regarde-moi une fœtal. fois, Sylve. C'est quoi un retour fœtal? Dégueulasse. Bah, il rentre Il dans le vomit frigo des ferveur. fœtus? Non, il redevient fœtus, il redevient bébé, puis il retourne en arrière, puis il re rentre dans le ventre de sa mère et tout. Il redevient fœtus. Horrible. C'est pour te foutre un peu les boules, tu vois, Sylve. Oh non, non, j'ai pas les Toi, t'as boules. jamais réussi à le finir et. Ah, c'est pas que j'ai pas réussi, c'est que j'ai lâché. Bah, t'as un achieve qui te demande de Ils vont pouvoir récupérer faire un 2 d'ailleurs, de Last of Si, Us. si, si. Toutes les BD de Ellie, il y a un succès qui te demande juste de finir le jeu en fait, en normal, un succès qui te demande de le finir en mode difficile, mais il n'y a pas d'achieve entre, tu sais, il n'y a pas d'achieve à chaque étape. C'est C'est ça en fait. le finir en mode normal, le finir en mode difficile. Récupérer toutes les C'est quoi BD ça? Oh mais disponibles là, ils sont de cons ces Ellie. chats. Il y a quoi d'autre? C'est un papillon Il a ça. récupéré toutes les plaques Bah, il est aussi. mort là. Toutes les plaques des. Merde, comment ils s'appellent? Merde. Ceux qui protègent Ellie au début avant que ça soit pas tout en. Je ne me souviens pas du tout. Ouais, je Je me t'y suis souviens pas, plus mais du nom. je sais plus comment il s'appelle. Ils ont. Sur certains cadavres, des fois, tu vas récupérer des plaques. Des. Pleure pas, connasse. Je veux dire que les voyages se font la jeunesse.
Bah, l'autre, tu pleures. Bah non. Il y a des plaques à récupérer. Il faut récupérer toutes ces plaques militaires là. Ah, ça, c'est genre ensuite, de truc. Ensuite, il y a. Découvrir tous les trucs. Il faut tout récupérer en fait. En fait, il faut tout fouiller. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui est très très bâtard. C'est près vers les trois quarts du jeu. Oui, mais pour moi, c'est des succès. En fait, il y a. Non, mais même, dis-toi qu'il y a au bout d'un moment, même une plaque. Ils te disent, il y a une des plaques en fait à récupérer qui est poursuivie par une horde de zombies et c'est des claqueurs en plus, donc des zombies que t'as pas. Tu peux pas. Soit c'est, tu leur tires dessus, soit tu atteignes, ils te one shot en fait. Tu peux rien faire, c'est comme ça. T'es poursuivi par une horde de zombies et en fait il faut que tu fasses en sorte à. C'est moi Paul, ton cousin, yo! Discret, yo! À te mettre discret pour qu'ils ne te repèrent plus parce qu'ils sont aveugles, ils se repèrent au bruit en ouais, fait. Ouais, je vais les casser, ça m'est saoulé ça. Voilà, et en fait, t'es poursuivi par. Quoi merde, j'ai skippé un dialogue. Tu vas aller chercher une plaque parce que sinon, t'as pas le temps d'aller la chercher et te rebarrer dans la foulée. Pourquoi elle a dit que je puais? Elle est planquée, cette connasse. Non, c'est l'autre qui pue. Ah ouais, genre mon cousin il pue. Après, il y a. Mon cousin il pue. Un peu plus loin encore, ils te disent il y a une BD en fait, elle était pas là quand t'es passé la première fois et elle était pas là la deuxième fois elle y est et en fait ils te disent ouais mais sérieusement ces dialogues en gros ils te disent je crois que t'as oublié un BD c'est pardon qui te dit je crois qu'on a oublié une BD à tel endroit et ainsi de suite et en fait quand ils retournent là, la BD, elle y est. Mais il faut avoir fait certains trucs avant, donc avancer dans le jeu, revenir ensuite en arrière pour aller chercher cette BD pour avancer. Relou, quoi. Ah ouais, non, mais... Enfin, que des genres de trucs comme ça, en fait. Non, bon, les jeux, de toute façon, c'est un jeu, il fallait patiner. T'es obligé d'avancer, pour reculer, pour réavancer, pour reculer. Alors, qu'est-ce que t'as inventé, connard? Et ainsi de suite. Réservoir d'oxygène, il reste même du H20. Ah non, H2O, H20. Pareil, tu peux respirer. Il y a même certains ennemis que normalement tu peux éviter et qu'en fait ils te font tuer parce que ce sont des gens qui cachent des plaques ou des BD ou je sais plus quoi. Il y a aussi un autre truc à récupérer encore. Ça c'est un télescope. Il en avance sur son temps, mec. Ouais, c'est de Vinci. Il y a encore un autre truc. C'est les enregistrements audio aussi. Et voilà. Les enregistrements audio de Joël. Il faut les récupérer. Et il y a malheureusement, en fait, il y a certains ennemis, c'est eux qui les ont dans leur poche, les enregistrements audio. Et des ennemis, des fois, que tu peux complètement éviter ou qui se trouvent à un coin du bâtiment que tu n'y touches jamais les pieds normalement. Et c'est eux qui les ont dessus. Donc t'es obligé d'aller les tuer en fait. Dans du sol et des cinégres, tout ça, voilà. C'est enfin que des trucs dans ce genre là en fait. Voilà. Toi quand t'as entendu signe, il est nu, l'étoile rouge qui brille. Donc quand tu te dis qu'on te fout là, des fois t'en arrives à une certaine logique qui est assez sympa. C'est. On te fout la pression, tu te dis ok, on me fout la pression, ça veut dire qu'il faut que je prenne mon temps et que j'aille fouiller. Ça veut dire qu'il y a un truc planqué. Tu vois la logique un peu, c'est. On te fout la pression, donc normalement c'est tu cours, tu réfléchis pas, tu vois, tu cherches pas, tu cours. Et en fait, ok, on me fout la pression, ça veut dire qu'il y a un truc qui est planqué, faut que je trouve une solution. Super quoi. Paye ta logique inversée. Chat. Alors. Par contre, moi je fais que flipper sur Last of Us. Ouais, il flippe. La route était longue, mais ça m'arrive. Si la plus facile, ouais, c'est peinture au sol. Trop. Rien, personne ne sait pourquoi. Pas de feu. Comme par exemple, t'arrives, t'avances tranquille, et puis y'a un claqueur qui arrive derrière toi, et tu l'as pas vu. Et qui au final il est à deux pas devant toi, il a beau être à deux pas derrière toi, il sait que t'es là quoi, il sent ta présence, donc au final il te bouffe et tu l'as pas vu venir là, tu fais oh putain.
Avec la cinématique qui se déclenche, tu fais. Oui, je coupe le sable. Tout... Oh là là, mais débile comme dialogue, ça. Après, il y avait le Heavenly Sword aussi. Ah oui. Il est génial, ce jeu. Je l'ai platiné. Ouais. Qu'ils ont trouvé ? Je l'ai platiné, façon de parler. Je l'ai fini à 100%. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de trophée, ce jeu. Non, oui, c'est vrai que c'est un des premiers jeux de la Play 3. Il y a un projet, ça. Il n'y a pas de trophée. Bah oui, j'ai vu le dessin, c'est un piaf. Ok. Ça, c'est une bite, peut-être, mais... Mais je l'ai fini à 100% en tout. Il est énorme, ce jeu. T'alternes les phases... Les phases discrétion, infiltration avec les phases baston à la God of War, quoi. Ouais, je sais que c'est un démon. C'est génial. Et je sais que je fasse. Après, si t'aimes ce genre de jeu à la God of War, tu devrais essayer Dante Inferno. Ouais. J'ai fait. Tu l'as déjà fait ? Ouais. Je l'ai en plus. Tu l'as platiné ou oh, non. Tu l'as fait comme ça ? Les platines, j'en fais jamais. À part sur. Je l'ai. À part sur Retroactive ? Ouais, non, mais même sur PlayStation, j'en ai une quinzaine. Et c'est surtout les jeux Lego, Rayman. D'accord. Ok, j'ai compris, mais il faut que je fasse quoi ? C'est vrai qu'avant de faire mon rétroactif, je le faisais sur le Play. Ce que je fais, j'ai une soixantaine de jeux. Ces 60 jeux en question, je les platine. Et une fois que je les ai platinés, je supprime mon compte. Et je supprime mon compte, j'en recrée un et je recommence. Et j'ai vu que c'était un piaf. C'est la logique, quoi. Là j'arrive à la fin du saladier, enfin du premier, j'arrive à la fin des galettes, et après j'attaque les crêpes. C'est pas comme ça, attends-nous. C'est bon ça? Des crêpes et des galettes, c'est bon ça? I am perdu. En fait, j'ai toujours pas mangé et qu'à force de faire les crêpes, j'ai. Je commence à avoir de plus en plus faim. Kara, faut faire quoi là ? Faut que t'ailles jusqu'en bas, tu dois avoir une tête de fantôme là qui doit apparaître, il faut la suivre. Je sais plus où elle est, si elle est tout en bas à gauche ou à droite. Je sais plus s'il faut pas parler aux autres d'abord. Ou j'ai parlé à tout le monde. Parlé à tout le monde. Attends, je regarde ce qu'ils disent. Mm-hmm.
C'est normalement, c'est en bas vers l'aile qui a des. Il faudra peut-être des œufs dans l'estomac. Ah voilà, elle a apparu. Ouais, je sais pas, moi je reparle un coup au bonhomme, puis je retourne voir. Ouais, ouais, en fait, la Flora, elle m'a dit un autre truc tout à l'heure, donc pas dû lui parler de fou. Oh, elle est passée où? Ah, elle est où? J'ai perdu la tête. Ouais, mais maintenant tu vas parler aux autres. J'ai perdu la tête, depuis que j'ai vu Suzette, je perds la raison. Je vois Suzette. Faut demander en elle, t'as qu'elle va t'en faire des crêpes Suzette. Qui prépare des galettes. Nous parlons lorsque tout le monde sera présent. C'est du Lisa dont Paul parlait. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces peintures. Les galettes, c'est pour le salé et les crêpes. Bon, c'est pareil. Et ça, c'est vraiment se faire chier à trouver des noms exprès pour deux trucs différents qui sont exactement la même chose. Quoi. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil parce que les ingrédients mis. Tu peux faire des crêpes avec du sucré, du salé, tu peux faire des galettes avec du sucré, du salé, c'est pareil. Alors, je répondrai que non, parce que la cherche pas, t'as tort, c'est pas... Bah non, rien ne t'empêche de mettre du sucré sur une galette ou de mettre du salé sur une crêpe. Hein. Rien ne t'en empêche. Hein. Si tu veux, mais les ingrédients de base pour faire une crêpe... Ah, peut-être, mais je veux dire, c'est chercher crêpe, ce ne sont pas les mêmes, je te dis. Peut-être, mais pour c'est moi, ça la différence. Chose. C'est pour ça qu'on appelle ça une galette ou une crêpe, tout simplement. Oui, bah c'est pareil, c'est comme un gâteau et un 4 quarts, c'est un gâteau quand même, quoi. C'est pinaillé quoi. Pour tout le monde, c'est la même chose. Non, c'est pas les mêmes ingrédients. Mais je m'en fous que ça pas les mêmes ingrédients, c'est la même chose. Ça se bouffe quand même. Tu mets de la garniture dedans, puis tu bouffes, c'est bon quoi. C'est pareil. C'est juste pour trouver deux noms pour ça quoi. Que c'est deux recettes différentes. Mais... Non, non. Rien à voir. Ça a rien à voir. C'est dans le pied gauche, quoi. Ouais. Bah après avoir tout répondu, de toute façon. Ok. Et tout son cercle. Parce que la flûte de Paul Leflora. Sort ta flûte. Sort ta flûte. Et quelque chose d'immense tombe du ciel. Ouais. Ah, j'ai disparu. T'étais aspiré.